Java no kujuta msaada. Oh, Rosuna a une facture d'eau de 800 euros. Elle soumet donc son dossier au Centre communal d'action sociale de Kungu. Après étude de sa situation, elle pourrait bénéficier d'un chèque eau. Je suis mère de 16 enfants. Je n'ai pas d'emploi et mes factures sont très élevées. C'est pourquoi je suis venue demander de l'aide. Facture d'eau et justificatif d'absence de revenus sont nécessaires pour bénéficier du chèque eau. Bon, la dame rentre dans les critères normaux, donc on va lui attribuer la somme de 400 euros pour une facture de 803 euros. Comme ça, il pourra payer sa facture auprès de la SMAE et éviter toute coupure. Ces chèques d'une valeur de 30 euros sont destinés uniquement au règlement des factures d'eau. Le dispositif d'aide est reconduit pour la deuxième année à Mayotte. Parce que l'année passée, on avait eu un total de 246 chèques et cette année-là, on a 295 chèques. Donc il y a 50 de plus par rapport au 2021 où on a pu accompagner 250 familles. Cette année-là, on passe à aller sur 300 familles. 8 840 euros, c'est le montant de la dotation du CCAS de la commune de Kungu. La distribution des chèques aura lieu jusqu'au mois de novembre.